Nous remercions le Seigneur pour l'occasion qu'il bat nous capables là. Merci de ce que choisi pour adorer avec nous dans le rendez-vous Christ. Et si que vous-même j'ai avec moi-même, vous levez avec l'idée ça que ils sont arrivés conscience aux conversations nationales, les gens qui sont politiques, conversations nationales avec la religion ou l'église, ils ne sont pas mixés, ils ne sont pas travaillés ensemble. Et pendant que c'est une phrase qui célèbre, pendant que c'est une phrase qui est intéressante, mais ni moi-même, ni nous-mêmes, on connaît que automatiquement nous retirer bon Dieu dans une conversation nationale, dans un pays, ça fait que nous dégrader ou nous minimiser, devise nous ou soit arrêter bon gouvernance. La raison, c'est que humainement parlant, par rien qui est bon dans nous-mêmes, c'est que nous avons besoin de monde qui nous donne des directives pour la vie, nous, pour la communauté, nous, pour la nation. La semaine passée, nous débutons la campagne, grâce pour ma génération, avec un message ça, qui était relé, union fait la force. Moi, je dis qu'essentiellement dans la vie d'une nation, dans la vie d'une communauté, dans la vie d'un pays, il y a des choses que peut-être quelquefois qui ne sont pas connecté avec l'écriture, le regarder qui Jean que la Bible dit, le regarder qui Jean peut-être constitution dit, le voir que bagage ça pas fonctionne. Il y a un leader comme moi-même, leader d'église, leader religieux ou leader en général, faut que on bagage de ça. Et de choisir en tant que l'église, nous te dit que dans campagne ça qu'on a fait grâce pour ma génération, nous voulons dire on bagage de ça. La raison c'est que nous garder nos bagage pas fonctionner bien et c'est exactement ça que nous voulons faire. Vous êtes capable de comprendre que dans un pays, côté qui dont on débat sur peut-être économique ou débat politique ou social, Haïti, c'est un pays qui parle de communiquer des choses. Et peut-être qu'il y a une question que je me suis posée tête moi, ou m'a posée tête moi, et il y a une question que tu as posée tête toi, que j'espère que tu as posée tête toi, c'est que est-ce que bon Dieu doit faire partie du débat national ça? Est-ce que bon Dieu est supposé intégrer dans la conversation nationale ça? Et son question que je me suis posée peut-être moi, et son question que je me suis posée peut-être tout. Ou est-ce que nous faisons, même gens que nous avons fait auparavant, que nous dit que la conversation nationale yo, avec l'Église, nous faisons une séparation, et ça viendrait que l'Église ou bon Dieu n'est pas capable d'intégrer ou participer à la conversation? Ou peut-être moi-même avec moi, je me dis que nous avons mis bon Dieu dans un coin, et pendant que nous-mêmes, avec propre force par nous, n'a pas essayé de résoudre le problème du pays noir. Parce qu'il y a le grand pile. Et peut-être qu'il y a son choix qu'on voulait faire, peut-être qu'il y a son choix que l'Église s'est supposé faire, mais nous décidons que nous disons que nous ne pouvons pas prêter silence. La raison, c'est que nous avons besoin de dire. Il y a un bagage que je connais, c'est que qui est capable d'aider ou capable de soit après les semaines dernières que nous parlons, et consensus collectif ça que nous commençons à parler, ou conscience nationale ça, ou conversation nationale ça que nous voulons parler. Nous croyons que toute nation est formée avec des devises et des devises ça pour nous-mêmes en tant que pays. Nous réalisons que nous avons des clés dans nous-mêmes. C'est que peut-être nous sommes capables de connaître ça. Dans l'histoire par nous en tant que nation, nous avons commencé, nous avons fait mention de être suprême. Peut-être nous allons expliquer qui ça être suprême ça, être suprême ça y est. Mais avec tristesse, pour me dire bien, c'est que dans le débat nous avons, c'est que être suprême, ça n'a pas fait mention de conversation. Moi, je crois personnellement, et son conviction que je suis convaincu par les gens qui ont été dans moi-même, c'est que devise nous en tant que nation, raison, objectif qui fait nos batailles là, il est très profond, il est tellement intéressant, par les moyens que humainement parlant, nous sommes capables de vivre avec ça seulement nous-mêmes. Il faut qu'on aide, il faut qu'on on force peut-être qui puisse passer nous, qui bat nos idéologies, ça, qui raison qu'on déclare liberté, égalité, fraternité, qui raison qu'on déclare l'union fait la force, ça. Et pour raison ça, moi, je pensais que nous quittions le derrière, et c'est raison ça, l'Église, rendez-vous Christ, invite ensemble avec les mêmes pour nous déclarer grâce pour la génération. La raison, c'est que la génération a besoin en pile de grâce. Et chaque fois dans la vie une nation, dans la vie nationale, nous décidons que bon Dieu va faire partie. Conversation ça, moi pensais qu'elles sont pètes pour nous-mêmes. L'idée avantageuse pour nous, c'est et l'idée pas avantageuse pour nous-mêmes si bon Dieu pas dans la conversation. Et chaque fois bon Dieu
Pendant la conversation, moi-même, avec mon tasse, je réfléchis pour me dire que l'étape plus importante que nous inviter bon Dieu dans la conversation nationale. Et chaque fois, et raison lycée, chaque fois, nous choisissons que pour bon Dieu, pas faire partie de la conversation nationale, ou peut-être collectif, à mettre consensus collectif, ça n'a pas l'air. Nous risquons de décevoir, pas seulement de décevoir, mais pour nous prendre avantage de même bagaille qui existait, qui t'a supposé bon, ni pour même, ni pour même. La raison, c'est que, humainement parlant, bon bagaille qui manquait. Bon, m'explique bien. La Bible parlait dans Deutéronome chapitre 8, c'est pas verset clé, non, pour. Et message au diable, mais partager avec vous-même. Dans le verset premier, il dit que, ou bien je mettais en pratique tout commandement qui m'a roué. Je t'ai offert par un bagaille, ou bien je mettais en pratique. Verset premier. Dans le verset 10, il dit que, le roi mangé, les qui vont tout plein, ou besoin également reconnaître que remercier bon Dieu qui bat au pays ça. Ou besoin bénir l'Éternel qui bat au pays ça. Le verset 11, il dit que pas jamais oublier l'Éternel. Raison c'est que ou besoin observer commandement qu'il bat au yo. Ou besoin commandement qu'il bat au yo, l'écrit, ou besoin utiliser. Le verset 17, ou besoin garder dans le cœur pour ne pas dire, pour ne pas répéter parole ça yo. Que c'est ma force et la puissance de ma main. Mon acquise, ses richesses ou besoin, dans la conversation, il a veillé cœur pour ne pas dire que c'est force pour qui fait qu'on réussit. Verset 19. Il dit également, ou besoin pas jamais oublier dans le cœur que c'est l'Éternel des armées, c'est lui-même même qui a eu occasion pour prospérer. Il dit, si oubliez bagaille ça, ou pas répéter yo. Dans le verset 20 qui m'a appelé pour même, il dit que vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Il semblait que l'Éternel, quand il fait périr nation déjà, qui ne comprend pas l'importance que l'Elba ou des principes poursuivent. Maintenant, je vais commencer avec vous-même. Il faut qu'on ait que même en Haïti, dans notre constitution, le monde de Villiers qui voulait faire chance à lui, il dit que moi de Villiers, comment sentir, il dit que je me sens comme étant un citoyen chrétien haïtien. Un citoyen chrétien haïtien. Oui, moi, je suis capable de sentir que je suis un citoyen chrétien haïtien sans qu'on parle de politique. Je suis capable de sentir dans ce sens-là et m'espérer que c'est comme ça que je sens tout. Mathieu, raison, c'est comme ça que je me sens pendant toute vie. Mais il y a quelque chose qui est dans le pays. Par exemple, dans notre constitution, nous gagnons sur Tarelé des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux. Vous gagnez droit en tant que nation, en tant que citoyen. Bon, nous quelques droits qu'on gagne. Vous gagnez droit à la vie et à la santé. Ou également gagnez droit à la liberté individuelle. Vous gagnez droit à la liberté d'expression. Vous gagnez également droit à la liberté de conscience. Vous gagnez droit à la liberté de réunion. Et je suis content que nous sommes capables de réunir nous. La raison, c'est que si nous ne sommes pas capables de réunir nous matin, nous ne sommes pas capables de faire l'église. Merci, bon Dieu, de ce que nous avons le droit que nous gagnons en tant que nation. Nous sommes capables de réunir nous en réunion. Par contre, nous sommes capables de faire l'église matin. C'est parce qu'on a le droit à ça. Il y a des pays où nous ne sommes pas capables de réunir nous pour faire l'église comme ça. Je vais vous dire encore, nous avons le droit de la liberté de réunion. Nous avons également le droit à l'éducation et de l'enseignement. Nous avons le droit, pas seulement à l'éducation et de l'enseignement, mais on a également le droit de la liberté du travail. On a le droit capable de travailler. On a le droit également de la propriété. Bon, je vais vous dire ça vous-même. La propriété de vie, la propriété de vie amène privée est reconnue et garantie. Bon, je vous confesse ce matin. Je regarde des messages dimanche passé, je me dis, même si tu es excité dans pile, tu es content pile, ça fait que je me parle en pile. Le message, ça m'a parlé doucement, mais je me dis bien, honnêtement, je ne suis pas capable. Cependant, là, prier pour moi parce que même, vraiment, excité, mais là, toujours là. Cependant, je me dis encore, la propriété privée est reconnue et garantie en Haïti, et dans la constitution. Nous. Également, on a le droit à l'information. Ou pas connaître si tu as ça, mais je me dis ça. Ou gain droit à la sécurité. En Haïti, ou gain droit à la sécurité. Gain mon cap sécurité de Dieu. Tout ça, yon nan
constitution noire. Mais attendez ça bien. Droit, si c'est qu'on y a que nous avons écrit peut-être constitution noire, nous avons demandé qui doit nous gagner. Moi, je pense que tout jeune là, nous avons dit que nous avons dit que nous, tout le monde a droit à être free wifi. Comme on dit, free wifi. On va payer pour les free wifi. Yeah. Si c'est qu'on y a, nous avons écrit constitution noire, nous avons dit que nous avons écrit le droit avec Kaï, ça ne va pas payer pour eux-mêmes. Chaque monde qui a besoin de maison, ou besoin pour habiter, ou pas pour payer pour lui-même. Quel monde qui a prévu ça? Tout jeune, a dit que tout le monde a supposé avoir droit avec une machine tout neuf, sans payer ce qu'on pour lui. Combien de jeunes qui ont d'accord avec ça? Mais pas qu'il y ait plus belle là. Ce n'est pas comme ça, l'autre était blague, mais ça c'est sérieux. Tout jeune dans le pays, ça, tu as prévu que pour avoir droit, pour aller dans les potes pays, vous voulez, les vous voulez, je vous voulez. Nous avons mis que toi ça. Si nous avons écrit la Constitution, nous avons ajouté l'autre droit, la donne. Et je me dis bien peut-être, l'hérisson qui écrit couplet qui est vilain, se chanter pour nous, j'en même qu'on disciple de classe, moi, se chanter pour nous là. Il semblait qu'elle était ouais, important ça. Et c'est raison qu'elle dit que prends droit mieux. Pas simplement droit mieux, mais également prends vime. Et puis mettez-le en bas, autorité pas. Et moi, expliquer peut-être la raison que je dis ça tout à l'heure. Et chaque fois, on a un pays qui a un droit, mais qui n'a pas gagné responsabilité individuelle, il est capable d'affecter le pays. Les droits individuels doivent être associés à la responsabilité individuelle. Dans nos nations, si vous avez liberté ou pas de responsabilité, nation on pour aller comme ça. Chaque fois gagner droit, pas de responsabilité, pas capable de gagner progrès qui fait. Go bagay que peut-être pas connait. Dans histoire pays nous, soit arrêté bon utiliser constitution, dans constitution pays nous hein. Mais qui ça que première constitution était écrite en Haïti en 1801 qui était écrit par un monsieur qui est reconnu, alors qui était promoté par un monsieur qui est reconnu, qui était relé Toussaint Louverture, il était dit que, pour montrer qu'il n'était pas important avec bon Dieu et religion, il était dit que catholique supposait religion suprême dans le pays. Merci bon Dieu que vous venez changer plus tard. En 1805, après la mort de Dessalines, alors Toussaint, il a porté l'enfance sur le constat passé qu'il mourit dans la prison. Maintenant, il y a un autre empereur, un autre chef, un autre président qui prend le contrôle du pays. Maintenant, il y a une sorte d'indépendance. Après un an d'indépendance, il a construit, il a écrit la constitution, peut-être amendé ça, tout ce qui a été écrit. Maintenant, mais qui s'est commencé? Mais qui s'est écrit dans la constitution haïtienne en 1805? En présence de l'être suprême, j'aurais l'écrit là, l'être majuscule, devant qui les mortels sont égaux, pour même qui va comprendre, je dis en présence d'un homme, d'un être qui est suprême, qui est haut, devant, gagner en pile bagaille qui existait, bagaille ça yo, yo capable de mourir en leur, en leur façon humain, exister, bête yo, ok, yo exister. Il dit que devant qui les mortels sont égaux, et bagay ça t'écrit, on parle de humains, parce que si on parle de bêtes, il va dire bête égale avec monde, si on parle de monde, et comme étant son pays qui t'a battu pour prendre l'indépendance, ça veut dire que la dit que gagnent un pile monde qui existait, ce sont des noirs, ce sont des jaunes, ce sont des mulâtres, ce sont des noirs, ce sont des blancs, et tout être ça, yo, yo mortel, yo cap mourir le, mais yo égal égo, parce qu'il a parlé de indépendance. Bon, on continue le livre même. Il dit que, et qui n'a répandu tant d'espèces, de créatures différentes sur la surface du globe. En l'autre façon, être suprême ça, qui était côté lié, dans le lieu saint qu'il y a, avec tout pouvoir qu'il gagne, lui créé, lui jeté sous globe là, yon pile créature à travers œuvre. Et mais pour quelle raison qu'elle fait? En face de la nature entière
dont nous avons été. Alors, excuse-moi. Il dit que à travers gloire et à travers puissance, il dit que qu'au fait de manifester sa gloire et sa puissance. Et moi-même, avec vous-même qui chrétien, nous connaissons qui est-ce qui gagne gloire, nous connaissons qui est-ce qui gagne vraie puissance. Mounsa, nous-mêmes qui chrétiens, nous relèvons l'éternel des armées. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui gagne quoi qui est puissance? Des salines qui a parlé. En cette nuit qui a parlé, il dit que, et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la surface du globe, il crée tout bagaille ça, différent, blanc, noir, jaune, mauve et toutes autres couleurs. Si vous voulez mettre l'équipe à la donne, pardonnez-moi si je péché. Il dit que, qu'au fait de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres, travail qu'elle fait, le monde qu'elle crée. Pour raison ça, il dit que, en face de la nature entière dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme des enfants, Giza, réprouvés. En toute façon, ils créent tout le bagage, mais regardez-nous, ils voient nous sembler avec petit dehors. Et ça le dit. Petit dehors. On petit qu'on ne peut pas faire, mais on ne peut pas l'accepter. Ça, c'était dans la Constitution, nous, en 1805. En 1846, ils font un changement, ils amendent, ils font un changement. En passant, nous passons 23 ou 24 constitutions. Pas même amendé, non, ils ont fait constitution. En 1846, mais ça a dit dans la constitution noire. La constitution haïtienne, le peuple souverain proclame, en présence de l'être suprême, qu'on est suprême toujours, la présente constitution de la République d'Haïti pour consacrer à jamais ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationale. L'autre mot est belle, nous t'entendons déjà. Même, ça me tient à me concentrer sur l'idée que, en présence de l'être suprême et dans la constitution, 20 septembre 1849, en présence de l'être suprême. La Constitution, le 22 décembre 1858, en présence de l'être suprême. Dans la Constitution 1859, en présence de l'être suprême. Dans la Constitution de 1860, en présence de l'être suprême. Dans la Constitution, 14 juin 1867, en présence de l'être suprême. Dans la Constitution, 6 août 1874, en présence de l'être suprême. Dans la Constitution de 18 décembre 1879, en présence de l'être suprême. Et le 16 décembre 1888, ils ont changé encore, ils ont modifié encore, ils ont amendé encore. Par contre, qui thème qu'ils ont utilisé et conversation a changé. Il y a une série de bagailles qui fait, ils ont dit qu'à la suite de plusieurs tentatives de coup d'État, la dernière, le 30 juin 1879, nous connaissons que. Il y a un président qui montait, le président Saha l'a formé le 28 juillet 1979 et le président Saha l'a renversé le 3 octobre 1979. Et pendant une série de batailles, bagailles qui a été fait, bien, hein, et il a dit que selon l'histoire, le 9 octobre 1889, au lieu qu'il a commencé, le peuple souverain proclame en présence de l'être suprême, mais il a commencé constitutionnellement avec thème ça, avec déclaration ça. Le peuple haïtien proclame la présente constitution pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance
nationale. Je vais dire encore. Le peuple haïtien proclame la présente constitution pour consacrer ses droits. Qui doit? Je ne sais pas. Ses garanties civiles. Qui garantit civile, je ne sais pas. Et politique. Sa souveraineté, son indépendance nationale. Conversation changée. Je prends bon Dieu. Je mets le coin. Je prends bon Dieu, je mets le chita. Je dis, nous résoudre le problème, nous-mêmes. Avec lui-même, nous ne pouvons pas résoudre lui. Avec lui-même, il est extrêmement difficile. Et vous-même qui mangez, vous-même qui avez famille, vous-même qui travaillez, vous-même qui dirigez une institution, vous-même qui chrétien, vous connaissez avec lui-même, il est extrêmement difficile. Imaginons que fait la vie sans Dieu. Et je dis bien, je viens créer un imaginaire collectif dans nous-mêmes. Pendant que bon Dieu était un être suprême qui fait partie de notre dépendance, c'est un être suprême qui fait partie de notre constitution, c'est un être suprême qui a parlé de lui-même depuis 1801. Et maintenant, il mettait un imaginaire collectif dans tout haïtien. Il dit nous c'est vaudou qui bat nous, indépendance nous, et puis nous retirer bon Dieu là-dedans. Et même tout bien. Et son phrase qui me croit lui-même, et son phrase qui me vit pour lui-même, c'est que si un monde qui est capable de prendre un monde libre, qui est capable de bailler un monde droit, il n'est pas un humain, il n'est pas un gouvernement, monde ça, il y aurait l'île Dieu. Il y aurait l'île Dieu. Si vous voulez peut-être faire une phrase, vous pouvez retirer l'Éternel des armées. Vous pouvez retirer Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le monde ça qui bat droit. Et à cause que nous renversons, nous retirons, nous prenons mon Dieu, nous mettons le nom coin, nous retirons même dans la constitution. Nous, hein? So maintenant, nous venons par redevable envers être suprême ça. Nous venons par redevable envers être suprême ça. Maintenant, nous venons redevable envers la constitution. Nous venons redevable envers des lois. Et malheureusement, moi-même avec vous-même en tant que nation, je me dis ça dimanche que pour capable un consensus collectif qui vraiment mettait en application, il faut consensus collectif ça, l'informer. Et comme étant ou pas informé, moi pas informé. Maintenant, chaque saillot va nous prendre. Bon, vous nous dites bien. Combien de monde a qu'on volé l'électricité? Pas lever mon l'air. Ou pas jamais un monde qui prend l'électricité, le prend en prise, et puis pendant qu'elle prend en prise, et puis chaque 2-3 ans, chaque 5 ans, EDH qui monte dans la tête, qui dit que nous prenons le monde qui a volé et courant, et puis il a marché le caille, il a frappé, et puis là, ça, n'est pas qu'il a déconnecté, prise qu'on prend, et puis si EDH a entré la caille, il vient avec la police, si je veux nous la caille, caille, je veux qu'il y ait prise là, il a arrêté tout le monde dans la caille là. Et quelquefois, si que vous visitez un monde, ce n'est pas l'adresse, ce n'est pas là où habiter. Et des âges venus, les jeunes dans le cas-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? La barrette. Bon, m'expliquer ça bien. Nous connaissons que si Suzette vole si tu as un drogue, merci pour dire pas un drogue. Après, il y a que Suzette pas un drogue pour moi. Après, Suzette, c'est madame, moi. Il t'a un drogue, et puis, il vient dans le cas-là, il vient chercher Suzette, il va venir Suzette, il vient jeune, moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait, il apprend pour Suzette. Nous, t'es comme ça? Nous connaissons qui est dans le cas son banque. Mais si bon Dieu, je ne peux pas faire son banque. Mais si bon Dieu, je ne peux pas faire son banque, c'est FM pas faire son banque. Si elle est là, il n'y a pas de jeune, il y a une Suzette. Ou qu'est-ce qu'il a fait? Il apprend. Mais nous connaissons que dans notre constitution, la constitution haïtienne, mais qu'est-ce qu'elle dit? Il dit que, ou pas supposé, chaque individu, c'est un individu, ou pas qu'à arrêter un individu pour un autre individu. Constitution dit ça. Bon, tout l'autre bagaille. Vous connaissez la constitution haïtienne, non? Ok, je vais vous même. Article 26. Mais ça le dit. Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant un juge. Nous disons ça, tout le monde est arrêté en Haïti.
Si après 48 heures de temps, ou pas au juge, selon la Constitution, je suis posé la guerre. Mais on a en Haïti, 70% de monde qui sont en prison, ce n'est pas monde qui sont en prison à cause que vous jugez, vous condamnez, vous êtes en prison parce que vous n'avez jamais un juge. Pour même qui retire mon Dieu, qui voulait prendre la Constitution, la loi, pour diriger, je dis bien, monde qui a besoin, premièrement, pour redevable en vel, il y aurait l'Éternel des armées. Pour raison, c'est que ça que la loi fait, la loi simplement représente un minimum de règlement de responsabilité en tant qu'homme. C'est ça qu'elle fait. Parce que loi, mais ça le dit, l'imando, qui ça qu'on est capable de faire pour guérison. Maintenant bien, on voit des gens qui sont honnêtes. Et moi, je ne suis pas honnête dans ce sens. Puis quand je prends mon sac, je vais mettre dans l'écran, je dis, pasteur, dit pas honnête, non? Effacez ça, vous envoyez un message d'aller. Je connais tout le monde là honnête, inclus moi-même. Mais je me dis bien, combien de monde là qui t'a aimé payer moins taxes, si possible? Moins taxes. OK. Raison, c'est que tout le monde, si vous êtes capable de manipuler, font manipulation de ça qui existait, hein, pour être capable d'utiliser pour. Raison pour vous, ou à utiliser. Moi-même, je vais payer moins de taxes, si possible. Raison, c'est que quand il s'agit de loi, la loi n'est pas by motivation. La loi n'est pas motivée personne. La loi n'est pas douce à cause de la loi, ou motivée, ou pour elle faire des choses extraordinaires, non. La loi n'est pas inspirée personne. La loi pas dit que à cause de la loi, m'bral fait bagaille des grandes choses. Non, 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 non. La loi pas dit qu'à cause de la loi, dit que m'bral bâtit des vertus. Non, non, non. À cause de la loi, m'bral excellent. Non, non. La loi pas inspiré personne monde. On dit que à cause que OK, m'tap conduit là, m'a conduit mal. Mais je dis à mon licence, m'bral conduit bien. La loi pas motivé, pas inspiré. Gagnez un certificat de mariage, ça ne veut pas dire que vous qualifiez pour un bon mari, pour un bon madame. La loi va inspirer les gens. La loi va inspirer. Mais il y a des choses qui sont capables d'inspirer les gens. Et les choses, c'est que moi-même avec vous-même, nous sommes capables de prendre une décision. Individuel. C'est ça le lien. Parce que ça, la loi fait, chaque fois, on bat pour défendre droit, ou vient le monde qui a essayé de défendre droit pas. Imaginons que vous avez un policier. Et puis, article 34, ou article, je pense que 34.3, et puis E, il dit que vous n'êtes pas capable d'arrêter un monde en place de l'autre monde. Et pourtant, les policiers, sont la loi qui est établie. Et puis, c'est au moins que tu as la place de tout le monde. Si vous avez une conscience individuelle en tant qu'humain, l'arrivée, vous regardez exactement ça. La loi dit, sa constitution l'a dit, avant que vous passiez à l'action. Mais comme étant, la loi n'a pas inspiré personne. La loi n'a pas vraiment motivé personne. Chaque monde a essayé de jouer un moyen pour utiliser la loi pour propre intérêt. Maintenant, où c'est arrivé, où arrêter mon nom. Je ne sais pas ce qui est fort. Je ne sais pas ce que je pense que je vais dire dans les médias, que je vais dire devant l'église, et je vais dire devant tout le monde. Quand il s'agit de notre constitution, quand il s'agit de notre règlement, quand il s'agit de droits, nous, en tant que peuple, en tant que citoyen, je dis nous bien, nous sommes tellement loin de perdition nous en tant que nation. Je n'ai pas espoir que la constitution du pays a besoin de faire pays ça, un pays qui a supposé. Ça force à me dire. Je vais dire encore. Nous sommes tellement loin. Je n'ai pas croire que la constitution du pays, la loi du pays, a besoin de ranger cause pour faire nous un pays que nous avons supposé. Mais, qui raison que. Je mentionnais des constitutions. C'est pour montrer que nous avons écrit, nous avons loi, nous avons écrit,
mais nous pas appliquer yo. Mais pendant que nous gen loi nous écrit, nous pas appliquer yo, mais qu'on bagaille comme dans mon gagnant, connaît c'est que gain espoir. Ou qu'on qui espoir qui gagne? Haïti déclarait que plus que 50% de la population yo c'est chrétien. Et matin qu'on pourrait condamner, on prendre pas dit protestant, me faire exprimer même pas dit protestant. Majorité haïtien dit que c'est chrétien. Et espoir c'est un chrétien ça yo, parce que nous croyons que si chrétien yo virer changer façon que fonctionner pays ça capable changer. Raison c'est que chrétien yo en majorité. C'est l'espoir me gagne. C'est à cause que nous sommes chrétiens que Dieu va vivre de l'autre façon. M'a tout bien. Le président pas qu'à changer la situation malgré ma bon courage pour voter. Parlementaire pas qu'à venir avec ses lois, faire règlement pour changer la situation parce que règlement là nous pas qu'à même appliquer. Pendant que m'a invité pour faire même là avec moi lire constitution, tant des parlementaires à parler, voter bon parlementaire, m'a bon courage pour faire ça. Mais celle espoir Haïti dans le moment ça c'est si que nous mêmes qui choisissons qui d'une chrétien nous prenons le son que on va le partager avec toi on va le prouver bon prouver on trouve dans la Bible apôtre Paul qui était un homme qui était gardé dans l'époque qu'il t'a vivre là qui pensait peut-être dans 2000 ans plus tard situation peut-être à même genre pour quelque pays pour quelque nation. Et puis, il va communiquer un bagage dans Galates chapitre 5, les versets 13 à 15. Mais qui ça le dit? On nous regarde ça avec moi. Verset 13. Frère, si je ne le frère, qui est-ce que je chrétien. Je vais le encore. Frère, si je ne le frère, qui est-ce que on nous commence à lire avec moi, mais nous ne pas dire frère, nous ne dire chrétien. Chrétien. Vous avez été appelé à la liberté. Je vais dire encore. Chrétien, vous qui, ou même qui chrétien, vous avez été appelé à la liberté. Moun qui libre matin, dit libre au nom de Jésus. Sou libre, nous libre. Ou pas libre. Quoi de chrétien? Chrétien, vous êtes libre. Non, vous êtes libre matin. Nous libre. I am free. Oh, moi qui chante. Vous êtes déjà, moi free, moi libre, moi guéri, moi ouin. Au bon au nom de Jésus. Combien de monde qui est libre, qui est free, qui au nom de Jésus? Chrétien, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Qui monde qui vit selon la chair? Moun ki pa invite bon Dieu dans conversation yo. Moun ki pa invite bon Dieu dans débat. Nous même qui les chrétiens dans débat national que n'a fait nous obligé inviter bon Dieu. Mais rendez-vous. Sous besoin compte qui côté dans l'église sorti mené rendez-vous. Et pas vrai. Mais rendez-vous par la charité ou l'amour serviteur les uns des autres. Quand, verset 13, quand toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans un seul discours, dans une seule déclaration, dans un seul mot, dans une seule déclaration, je me dis ça déjà, dans un seul consensus, mais qui s'allie? Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je connais qu'on voulait défendre droit. Ou tu as aimé que si c'est vous-même qui avez arrêté, et l'article 34.3 dit que si document pas dans main, que vous n'avez pas arrêté un monde pour l'autre monde, comme étant c'est vous qui allez arrêter le monde, non. Et l'article a dit. Et la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Ça, ou t'as prémé mon enfer pour même, si c'est l'ité la police là, ou a fait le boulot même tout. Je me dis encore,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai que c'est vous-même qui patron. C'est pas l'autre monde qui patron. Mais pendant devant mon nom, si tu es le patron, go bagaille qu'on t'apprémel pour le faire pour même. Ou faire même gens pour lui-même. Raison c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme étant l'indiqué dans l'article 24.3, la responsabilité est personnelle. Je ne peux pas faire l'autre monde payer prix pour le monde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dis ça bien. Frère ou chrétien, ou capable de faire Haïti ou l'autre pays seulement si ou décider pour utiliser droit de façon individuelle, mais également responsabilité en façon individuelle. Bon, m'expliquer bien. Si mon zame me rôde, mon policier, pendant que me campé devant, yo moun, faut me penser que si c'est lui-même qui était policier, il était gen zame nan, et c'est moi-même qui était civil là, qui ça me t'a prémé pour le faire avec moi? Simple. Nous sommes directeurs, nous sommes leaders. Pendant que je suis devant le monde qui en bas autorise, amène, leadership, moi, pendant que je suis devant, et vous me pensez, si c'est lui-même qui est leader, qui ça me t'a remis faire en ferme? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et après le bol, il y a un bagage qui est solide. Et c'est Haïti qui a parlé avec lui. C'est avec moi-même, c'est avec vous-même qui a parlé. Mais qui ça le dit? Il dit le verset 15. Et si l'on est comme ta mon lit avec moi, avant même que mon théologie me comprenne lui même. Mais qu'est-ce que ça dit? Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, nous pas en compétition avec l'autre pays. Pas des pays qui attaquent nous avec examen de nos guerres. La guerre que nous avons en Haïti, guerre de insécurité, c'est Haïtien qui a fait avec Haïtien. Guerre de la vie chère, c'est Haïtien qui a fait avec Haïtien. Guerre de raïssement, c'est Haïtien qui a fait avec Haïtien. Guerre de injustice, là, c'est Haïtien qui a fait avec Haïtien. C'est juge Haïtien qui parle aux gens qui sont en prison. C'est policier Haïtien qui a arrêté tout le monde pour l'autre monde. C'est Haïtien qui a cassé les gens, qui a volé les gens. Guerre que nous gagnons. On me dit qu'il m'a pas émotionnel. C'est une guerre des Haïtiens contre Haïtiens. C'est moi-même contre moi-même, c'est moi-même contre moi-même qui a fait guerre. Bon, je vais encore. Mais il te dit que frère ou chrétien, mais si vous, ok, frère, mais si vous, vous mordez et vous dévorez, ça veut dire mordez. Mordez. Ça veut dire dévorer. Dévorer. Si vous ne pouvez pas dire mordez, vous êtes capable de détruire. Vous avez dit voler. Vous avez dit pour qui ça que me prend? Voler si vous êtes capable de voler l'école avec toute caméra, je vais mettre la caille sécurité. Qui raison tout le bagage ça existe? Raison c'est parce que vous voulez dévorer. Moi, je voulais dévorer. Vous voulez détruire. Moi, je voulais détruire. Sauf après le point la parole, il dit que. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. C'est moi qui a détruit, c'est pas l'autre monde qui a détruit nous. C'est moi-même qui a détruit, c'est pas l'autre monde qui a détruit. Et pour être libre des esclavages du péché, nous devons devenir des serviteurs de Dieu. Et également des serviteurs des autres. Pour libre, ce sont vrais chrétiens, ou à serviteur mon Dieu, ou à servir l'autre monde. Parce que quand il s'agit de liberté, nous-mêmes en tant que chrétiens, et pas que nous sommes capables de faire, la faire l'on bagaille relationnelle divine et humaine. Parce que la liberté en Christ a un impact sur nos relations divines, en l'air. Ok? Et également vertical et horizontal. Et pas de monde qui libre vraiment
tout temps que tout le monde pas libre. C'est Martin Luther King qui dit ça. Personne n'est libre tant que tout le monde. Tout le monde supposé libre pour le monde vraiment libre. Je vais me calmer. Je vais prendre quelques applications que vous allez aujourd'hui. Mais quelques applications. Son problème de entre nous-mêmes. Je vais prendre 3-4 blancs dans la moto, quand je vais marcher et dire, on va prendre des armes, prendre tout ça, nous sommes dans la banque. Et chaque monde qui est là, si ce n'est pas où qu'on appelle, connaît que on a lu son monde pour le faire. On peut aller dans la banque, on peut aller dans la banque. Je ne vais pas faire cash. 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 La raison, c'est que même si je travaille pour lui, je peux aller chercher. C'est 3, 2, 3, 4 jeunes qui ont essayé de camper dans la moto. Ils ont pris des armes, ils prennent pour eux-mêmes. Je détruis. Je détruis. Et la Bible parle. Je détruis dans la position. Je détruis dans la position. Ou pas qu'à exprimer tête ou deux. Ou pas qu'à dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous faites. Parce que vous avez des choses. Bon, moi, quatre applications, ça, vous n'êtes pas d'accord avec la CAI aujourd'hui. Quatre applications. Pour les bagailles, comme je fais une déclaration, et je vais faire avec moi, pour dire que je fais des bagailles qui sont justes, pas ça que je suis capable de justifier. Je dis ça encore. Je fais ça qui est juste, pas ça que je suis capable de justifier. Parce que je vais essayer de défendre droit. Je fais ça qui est juste. Pas ça que je suis capable de justifier. Dis ça avec moi. Je fais ça qui est juste. Pas ça que je suis capable de justifier. Je vais vous parler avec moi. Je fais ça qui est juste. Pas ça que je suis capable de justifier. Je connais où Père vous dit ça. Mais dis, je fais ça qui est juste. Mais pas ça que je suis capable de justifier. En pile fois, nous ne faisons pas ça qui est juste. Mais nous faisons ça que je suis capable de justifier. Inclus moi-même. Je agis comme étant un frère. Comme étant un soeur. Qui est responsable. Je vais vous dire ça avec moi. Je vais agir comme étant un frère, comme un soeur qui est responsable. Troisième, je fais ça qui est moral, pas ça qui est à la mode. Je fais ça qui est moral, pas ça qui est à la mode. Si tout n'est pas son moto, après acheter, je mets deux nègres avec Zam dans mes yeux pour l'attaquer, je suis un jeune garçon, c'est ça qui est à la mode. Je ne fais pas ça qui est moral. Amen. Combien de jeunes garçons qui t'arrivent à faire avec immoral, je dis ya. Si tu arrives à lever mon lait, dis alléluia. Ya, yeah. Pas lever mon lait. Lever mon lait pour dire que alléluia, c'est que c'est ça qui est moral. Ou même qui directeur qui a servi, ou pas bail job là avec des conditions, ou pas faire ça qui est moral. Ou pas faire ça qui. Ou pas qui est à la mode. J'en habillé, ou pas habillé de façon qui est moral, ou pas habillé de façon seulement qui est à la mode. Oh, pourquoi ça me dit ça? Bah, tu veux dire ça, non? Ou a fait ça qui est moral, pas ça qui est à la mode. Et quatrième bagaille qui est capable d'eau, qui est capable d'aim. Quatrième bagaille qui est capable de faire sans même un gouvernement pas agir, sans même ou pas faire trop effort, sans même ou pas faire trop effort, qui est capable de faire droit nous, nous capable d'exercer nous. La quatrième barre là, c'est que n'a honoré Dieu. L'aime gado, moi servir, l'aime gado, moi respecter, l'aime gado, moi voir comme étant monde. L'aime gado, pendant que m'a pas agi, moi mettre dans position, moi mettre dans place. Et pas pour me faire. Même voulez honorer bon Dieu. Amen. L'aime gado, moi dit que vous prenez M'sais une dame, m'comme m'a respecté Marie parce que m'ta aimé que m'a respecté Marie en façon que ou bon l'autre jeune demoiselle pour le marier, m'ta aimé qu'elle respecte petit garçon dans même genre. M'pa fait pour Marie hein. M'lé honorer bon Dieu. L'aime gars madame dit que m'a premier madame moi, ou bon m'a investi dans lui même m'a supporté, m'a camper pour lui. M'pa fait pour madame non. Mais m'a honoré bon Dieu. L'aime occasion capable faire 0 tourner 9, moi dit m'pa faire tourner 9. Et pas pour mon nom fait. M'a honoré. Bon Dieu, l'aime gagner, un sachet fatra dans même, m'te kala gueule pour la rue, pas les police qui même pas la gueule, m'a fait pour la rue, même vle honorer. Bon Dieu, combien de monde qui veut honorer bon Dieu dans la vie quotidienne ou dans la vie ou en façon individuelle ou besoin
honorer. Bon Dieu, Seigneur, nous voulons honorer au matin. Il n'est pas facile pour nous honorer. Chaque fois, mettez des choses dans le cœur que me communiquer, qui est plus facile pour me communiquer que pour me faire. Extrêmement difficile. Seigneur, qu'est-ce qui va t'arrêter de défendre toi? Mais nous réalisons malgré nous gagnons constitution après constitution. Constitution après constitution. 24 constitutions. Il y a écrit noir sur blanc dans la constitution. Mais nous ne pouvons pas adopter. Parce que nous avons essayé de défendre droit. Nous. On a défendu droit. Mais Seigneur, on montre nous à travers la parole que nous avons plus bon moyen capable de défendre droit. C'est là que nous servons, nous aimons les uns les autres. Maintenant, en tant que l'Église, et peut-être mon cap gardien sur les réseaux sociaux, nous faisons une déclaration que nous voulons honorer. Nous ne connaissons pas facile, mais nous connaissons le possible. Parce que nous mettons dans le cœur, nous mettons dans nous-mêmes, qu'il y a espoir pour Haïti, raison, qu'il y a plus de 50% de la population haïtienne qui déclarait que c'est frais, plus tout l'autre missionnaire qui est dans le pays. Pour raison ça, en façon individuelle, nous prenons honorer dans tout ce que nous avons fait et nous connaissons pas qu'à faire avec nos forces. Pas nous, mais avec le pouvoir que nous joignons. Non, mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est une déclaration que nous faisons et nous connaissons qu'on prend notre et qu'on est nous redevable et nous fait preuve de notre ça parce qu'on a conduit nous pour nous capables de réaliser. C'est prier ça à nous faire monter devant matin. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne, au siècle des siècles. Amen. Si vous avez reçu un message en matin, applaudissez le Seigneur pendant que vous avez campé. Comment, montrez-le qu'on remène matin pour le message du matin. Campé pendant qu'on a fait le dernier chant. C'est une prière.